Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau prank. Aujourd'hui, nous avons été contactés par quelqu'un car il a découvert qu'une personne déféquait devant chez lui, dans un coin devant chez lui. Il nous a appelé, donc on va aller voir ça en caméra. Et je vous retrouve juste après pour vous dire comment on va procéder. A tout de suite. Ouais. Bonjour. Ah, Axel Braise. Ah, Axel Braise, pour Malek TV là? Oui. Ouais, mais c'est pour le gars qui démoule. C'est ça, alors ouais. Expliquez-moi. Bah, je vous explique. Parce que franchement, moi ça m'en fout, ça fait deux mois que j'habite ici. Oui. Et il y a une personne qui chie là. Là, c'est mon entrée de palier. Là, je sais pas si vous voyez. Et il y a quelqu'un qui chie à chaque fois, qui chie ici régulièrement. C'est genre deux, trois fois par semaine. Et donc, je suppose que vous devez nettoyer à chaque fois. À chaque fois, je suis obligé de nettoyer, ouais. Et c'est abusé. Et en plus, franchement, je sais pas qui c'est. Parce que moi, j'ai de problème avec personne ici. Franchement, ça me saoule, et puis ça a pu, ça a commencé à ramener des rats, sa merde. Comment est la personne, elle est comment? J'en sais rien, moi. Vous avez pas vu la personne? Je sais pas si c'est le voisin d'en dessous, je sais pas si c'est la voisine du dessus, j'en sais rien. Ok. Et j'ai demandé, enfin, j'ai mis un mot, et voilà, y a personne qui a dit, quoi. Bon. Moi, ça me rend fou, hein. Vous savez, une solution, quoi. Vous savez quoi, vous allez rentrer chez vous, on va mettre une caméra dans la cage d'escalier. Ouais. Et on va gérer ça. Donc je fais quoi? Je reste chez moi, je sors pas. Vous restez chez vous et on vient vous voir pour la conclusion tout à l'heure. Donc les amis, on est planqué là. Alors, vous voyez ici, là, il y a la porte de la personne qui a dénoncé. Et donc c'est dans le recoin. Et donc on va attendre que la personne arrive. J'espère que ça va pas être trop long non plus. Bon les amis, là ça fait une heure que j'attends, ça devient un peu long. J'ai envie de pisser. Ah, j'entends quelqu'un qui monte l'escalier. Monsieur ? Ah, madame ! Non, mais attends, mais... Madame, qu'est-ce que vous faites là ? Madame, ça va pas ou quoi? Vous êtes fou ou quoi? Madame, c'est quoi ce qui met les gens là? Madame, vous êtes fou ou quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Madame, vous chiez dans un endroit public, madame. Mais vas-y, laisse-moi tranquille, vas-y, je fais ma crotte là. Qu'est-ce qui t'arrive toi avec ta caméra là? Vas-y, casse-toi là. Madame, vous pouvez pas aller dans les toilettes publiques? Mais vas-y, laisse-moi faire caca là, je te dis ça après. J'ai mangé au kebab là, vas-y, faut que ça sorte là. Vous pouvez pas aller aux toilettes, madame? Mais t'as ta caméra là, vas-y, je vais te savater toi, vas-y, je vais te casser tes molaires là, vas-y là, qu'est-ce que tu fous avec ta caméra filmée là? C'est tranquille. Madame! Quoi? C'est interdit. C'est interdit? J'ai envie de faire caca, je fais comment moi? Vous allez dans les toilettes publiques ou, ou chez vous, madame? Mais vas-y, reste tranquille, j'ai pas de chez moi, moi. Chez moi, c'est la rue. Chez moi, c'est chez toi. Chez moi, c'est chez lui, c'est chez les gens. Ouais, moi, j'ai besoin de faire mes besoins. T'as compris ou quoi? Toi, t'as des toilettes chez toi. Moi, j'ai pas de toilettes dans ma caravane, t'as vu? Je chie là. Allez dans les toilettes publiques, madame? J'ai pas, faut payer 2 euros à la cabine publique là, j'ai pas les 2 euros de la mairie de Paris là. Madame. Eh, vas-y, c'est bon là, éteins ta caméra là. Madame, je te chie dessus ou quoi? Madame, vous n'avez pas à chier ici. Ici, chier c'est chez quelqu'un, vous n'avez pas à le faire. Eh, je m'en ouf. Ça fait des semaines que je chie là. C'est, oui. c'est mon bois à crotte. Tous les cas, je leur ai dit, c'est ici que je chie moi. La personne qui habite ici nous a contacté. Pour qu'on vous piège, madame. Nous sommes en train de vous filmer. Et cette vidéo peut aller à la police, madame. Ah, vas-y, s'il te plaît, vas-y, fais pas ta poucave là. Tu vas pas envoyer chez les keufs. Vas-y, on peut pas s'arranger là, vite fait. Non, madame. Je finis de faire ma crotte, je te suce tranquille. Non, madame. Arrête là, vas-y, c'est une connerie là. Moi, j'ai besoin de faire caca deux fois par jour. Parce que je mange au kebab le matin, je mange au kebab le midi. Et le soir, c'est une soupe et un bol de riz. Mais il faut que je chie. Eh ben, madame, vous allez dans les toilettes publiques.
Vas-y, coupe ta caméra. Allez-y. Ah, t'es fou. Chili, madame. T'es fou. Hey, vas-y, je m'en fous. Je vais porter plainte pour. C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Bon, les amis, on va retourner voir le propriétaire de la maison. Ouais. Oui. Donc, la personne est venue. Je. Ah, vous l'avez vu? Oui, vous pouvez regarder les images là, s'il vous plaît. Ouais. Allez-y, regardez les images en direct. Madame, qu'est-ce que vous faites là? Non! Qu'est-ce qu'il y a? Madame! Ah, mais je la connais! C'est Natacha, c'est mon ex! Enfin, mon ex, ça fait 6 ans qu'on s'est pas vu! Qu'est-ce qu'il fait? Bah, c'est. Qu'est-ce que c'est ça? C'est elle qui vient chier devant votre porte. C'est elle qui démoule des bronzes devant ma porte? Oui. Oh là là! Depuis je vais porter plainte direct. Depuis non, deux parce ans. Que déjà, elle m'harcèle depuis que je suis avec ma nouvelle nana et tout là, ça fait 6 mois, elle m'envoie des messages. Et maintenant, elle chie devant ma porte. Oui. Ouais, franchement, bah merci. Hein. Merci Axel Braise, merci Manek TV. Parce que sans vous, j'aurais jamais su qui c'est. Bah, je vais aller porter plainte. Parce que franchement, c'est abusé. Hein. Bah, allez-y. Merci. Voilà notre problème de voisinage résolu. Si vous aussi vous en avez, n'hésitez pas à nous contacter manekinews@gmail.com. On sera heureux d'en faire une vidéo où on peut même pouvoir vous aider. Cette personne-là va être plus heureuse et on espère que Natacha, sa femme, bah, trouvera également l'homme de sa vie qui la fera de venir défléquer ici. Passez une excellente journée sur Manek TV. À très vite pour de nouveaux pranks. Ciao.